French, English. French. Français. Qu'est-ce que c'est que cet engin extraordinaire? C'est un chopper. C'est un chopper, c'est ça. C'est un truc, on n'a jamais vu ça. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer une bicyclette comme celle-ci? C'est inspiré des Harley Davidson. C'est ça. C'est un style américain avec des longues fourches. Pour un style un peu particulier. Qui est-ce qui va acheter cette bicyclette? C'est les gens. C'est pour acheter le pain. Hein. C'est pour se balader en ville, aller pas très loin sur du plat. Ah, c'est urbain, c'est pour se balader. Urbain, si tu habites à Montmartre, urbain. C'est pour ça que c'est aussi électrique. Voilà, c'est pour ça qu'on propose de l'électrique aussi. Ah oui, alors d'accord. Mais c'est pas un chopper l'électrique. Celui-ci, ça parle de chopper. Un peu moins extrême. Alors, lequel c'est votre star en électrique? En électrique, c'est celui-ci qui pète. Comment s'appelle-t-il comme modèle? Alors, c'est le Racer. Racer. Oui. Et qu'est-ce en termes d'électricité, qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est de l'assistance électrique. Hein. Donc, oui. Une batterie, un moteur au niveau du pédalier, une boîte de vitesse automatique qui est utilisée avec la batterie. Donc, c'est un produit très haut de gamme. Avec lequel on peut rouler toute distance. Mais c'est un vélo de course. Un vélo urbain. Urbain, t'es pas... Oui, urbain. Avec une position typée. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas vraiment grande experte, mais bon, comme j'ai interviewé plein de gens, je commence à voir la différence. Combien est-ce qu'il coûte ce vélo? Alors, les tarifs, on commence dans les vélos de gamme, on commence à 8000 euros. Oui. Sachant que c'est du vélo artisanal, fabriqué en France, en aluminium, ouais. Que tout est personnalisable à la commande. Relativement léger alors, en aluminium? On reste sur un produit quand même un peu plus lourd que la normale. C'est-à-dire? On est à 27 kg sur celui-ci. Ouais. Nous on se positionne entre le vélo et la moto, donc ça reste un produit qui est... De toute façon, c'est la tendance, hein. Toutes ces bicyclettes électriques, on se demande où est la limite, quoi. sauf que les motos ne sont pas vraiment électriques, ou je ne sais pas. Bon, c'est visiblement la nouvelle tendance. Celui-là, il est vraiment spécial. Combien est-ce qu'il coûte, le chopper? Celui-ci n'est pas en vente, mais... Bon, parce que c'est le... Prototype. C'est le premier prototype, mais si on en fabriquait d'autres et on le vendait, il serait à 3900 euros. Mais alors, c'est une première mondiale de le voir ici? Vous l'avez déjà... On l'a déjà montré au salon de la moto en décembre à Paris. D'accord. Alors écoutez, bien, merci. Et vous avez une carte.